rends les étoiles. Ma petite. Non, ça je donne. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je rends l'établissement. La seule passation de charge que la Côte d'Ivoire a reconnue. Tout à fait. Tu es parti, tu m'as laissé le coup. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. C'est pour nous aujourd'hui un honneur et une grâce de recevoir le président Charles Blé Goudé de retour dans son pays. Il a eu l'insigne honneur de venir nous dire merci pour le soutien pendant les périodes difficiles de sa vie. Mon père spirituel me disait que quand quelqu'un se souvient de toi en plein jour, c'est qu'il te porte dans son cœur. Et c'est pour nous une fierté. Et en même temps, nous lui avons témoigné notre engagement et notre détermination. Parce que c'est une question de génération. Notre génération n'a pas le droit de se trahir. Et quand l'un de nos leaders est de retour, quelqu'un qui nous a tous impactés, nous devons avoir l'humilité de reconnaître qui est le chef. Je porte le grade de général, mais j'ai en face de moi mon patron. Dans l'ordre des généraux, c'est le général majeur. Général, merci pour cet honneur. Bien, merci. Je suis venu dans une démarche africaine pour d'abord dire Yako à mon frère parce qu'il a perdu sa moitié, je n'étais pas là. Je suis venu lui dire Yako et lui demander de tenir. Et en même temps lui exprimer ma fierté parce que j'ai vu que l'une des filles aujourd'hui est sur le terrain de l'entrepreneuriat et elle a ses propres affaires aujourd'hui. Ça, c'est le père. Savoir être un père et non seulement rester un géniteur. Parce qu'il y a le géniteur et puis il y a le père. Le géniteur, c'est celui qui donne la vie simplement. Mais il y a des enfants, on les met au monde et puis on les jette. Maintenant, le père, c'est celui qui vous initie à la vie. Il a su le faire. Et je suis venu lui dire vraiment tous mes encouragements. Ensuite, je suis venu lui dire merci. Parce que pendant que j'étais dans l'épreuve, sans jamais m'avoir rencontré, il a pris position pour moi. Il a fait campagne aussi pour que j'aie mon passeport et pour que je retourne ici en Côte d'Ivoire. Je veux lui dire merci. Et à travers lui, je dis merci avec tous les pasteurs avec qui il travaille. Je leur ai demandé de continuer de prier pour la Côte d'Ivoire. Un pays qui sort de guerre, qui sort de crise, qui a besoin d'être apaisé, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de beaucoup de prières, surtout pour les élections à venir, où on doit constater zéro mort et zéro blessé. Et j'ai été heureux de l'avoir reçu et tous. J'ai été heureux de l'entretien, d'abord que nous avons eu publiquement, mais surtout du huis clos. Il y a près de 1h30 que nous avons eu. Et il y a eu beaucoup d'enseignements. Et l'avenir nous situera. Merci beaucoup. Merci. 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 Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Rejoignez-nous au Cogep.